Donc salut tout auditeur, tout auditrice magazine Financier Investir et bienvenue à l'édition ça, nous le mois de novembre, voilà oui, il y a plus que 4 semaines. C'est toujours un plaisir pour que le week-end, comme nous connaissons, pour rendez-vous, pour nous parler à faire l'argent, que le au niveau personnel, que le au niveau famille, que le au niveau individuel, mais on est capable de dire au niveau communautaire, dans le pays ou bien au niveau municipal, parce que décision que nous prenons, il y a un impact sous façon que nous allons vivre. L'argent, son moyen, son outil, il faut bien maîtriser en quelque sorte. Une semaine qui est assez difficile, bien que nous sommes fanatiques, nous avons pris plaisir, nous avons amusé, nous avons fait football. Mais la réalité est toujours là, la retourner. Et le football, là, c'est pour un petit temps là. Donc, au mois de novembre, nous avons fini. Après, nous peut-être 16-18 décembre, finale Coupe du Monde, nous avons retourné la réalité, nous. Et nous avons rappelé encore, nous, la fin deuxième mois d'exercice fiscal, là, nous avons suspendre. Rappelez-nous ça, l'exercice fiscal a commencé le 1er octobre pour le point fin le 30 septembre. Donc nous avons le premier trimestre exercice fiscal là, comme nous avons la période gagne la Coupe du Monde. Donc c'est le 15 premières minutes match là que nous avons, si nous avons divisé en 4 parties. Donc première partie là, ça nous a capable de brûler. Et premier quart ça, c'est une partie qui est extrêmement importante. Surtout nous pas trop bien commencé. Déjà il y a un bon document là que nous avons partagé avec nous. Parce que déjà un petit peu aux abois tout, il faut comprendre ça. Parce que ces périodes peuvent entrer plus l'argent, et en général, dans 4 périodes. Yo. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas payer. Donc, on ne va pas caler tout le texte pour nous, mais même l'une pour nous, pour nous garder à comprendre que le directeur de GIA a frappé pour nous, pour nous dire côté nous. La Direction générale des impôts rappelle au public en général, aux agents publics permanents et contractuels, aux employés du secteur privé, au personnel haïtien des organisations internationales, des missions diplomatiques et consulaires, aux travailleurs autonomes, aux praticiens des professions libérales redevables de l'impôt sur le revenu, en particulier que le délai requis pour le dépôt de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu au titre de l'exercice 2021-2022, selon les dispositions de l'article 127 du décret du 29 septembre 2005, relatif à l'impôt sur le revenu, court du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023. Cette direction générale saisit l'occasion pour rappeler également qu'il est fait obligation aux contribuables subventionnés de produire leur déclaration définitive d'impôt sur le revenu au siège de l'office de la DGI en charge du dossier fiscal de leur employeur, à l'exception du personnel travaillant dans les succursales ou représentation de leur employeur se trouvant en dehors de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. La Direction générale des impôts exhorte tous les contribuables à se conformer aux prescrits du décret cité en référence en vue d'éviter la taxation d'office, les sanctions et amendes prévues par la loi. Est-ce que chaque année DGI fait ça? Bon, peut-être pas. Mais on va faire le bonheur comme ça. Mais DGI, ouais, que le match a commencé là, volume large pour le recevoir. Et là, c'est déclaration définitive d'impôt au moins. Pour ta ouais, pour ta capable connaître pour dire ah mais quand il t'est comme bien dehors donc la déclaration pour dire mais combien comme intention payer même si on pas ta payer donc déjà il a pris un goal là pour marquer donc déjà il rappeler nous ça donc bonne tout monde bon nous et tout acteur que déjà il dit ça agent public permanent et contractuel employé secteur privé, personnel haïtien des organisations internationales, qui travaille dans l'organisation internationale, mission diplomatique et consulaire, sur ma ONG et tout, aux travailleurs autonomes, aux praticiens des professions libérales, redevables de l'impôt sur le revenu. Donc, même si vous ne travaillez pas l'entreprise, vous n'avez pas de business, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas de attention, l'époque où vous déclaration définitive d'impôt, donc, j'ai dit, sonnez la grosse caisse. Pour le rappeler, nous, la prétendons nous. Et nous rappelons encore que c'est comme déjà y entré qui peut faire dépenses pendant l'année. Nous, jusqu'à présent, budget pour l'exercice fiscal 2022-2023 pour qu'on sorti. Donc, qui veut dire que ça que tu fait 2021-2022 automatiquement les reconduit. Son budget de 210 milliards de gouttes que tu as. Donc, c'est le premier trimestre exercice fiscal là que nous y là. Nous, rete un mois d'octobre là passé déjà, mois de novembre a fini, mois de décembre va le bon premier trimestre là, donc deuxième trimestre a commencé en janvier et déjà il rappelle que rapport que nous t'a supposé voir balia, il commence date là c'est 1er octobre 2022
pour 31 janvier 2023. Nous pouvons retard, nous avons un petit temps toujours. Nous avons 2 mois qui étaient là, mais déjà, il dit attention, pas oublier. Donc, si nous avons plein, nous allons dire ouais, mais attention, nous ne travaillons pas, nous avons dit job, nous avons dit c'est sous exercice fiscal passé, nous avons travaillé là, nous là. Mais qui veut dire tout, lorsqu'on a une stabilité politique, lorsqu'on a tout problème qu'on est capable de gagner, ça veut dire que c'est ça qui fait que 4e année de contraction économique, ça que nous est là, ça fait 4 ans. Donc pendant 4 dernières années, si vous regardez des variations PIB, vous ne pouvez pas créer richesse, vous détruire richesse. À un rythme de moins 2,2%. Donc vous prenez la première année, vous prenez la deuxième, vous prenez la troisième, vous prenez la quatrième, donc vous prenez 4 années, et vous divisez par 4, c'est dit que en moyenne, vous avez contracté PIB de l'ordre de 2,2%. C'est un bagage extrêmement grave qu'a privé là. Et côté DGI, il y a une cobla. Donc, supposez que grand série de monde qui perd du travail, yo, parce que là, dans la liste DGI, il mettait là, il va mettre au chômeur, non? Donc, certainement, il faut faire déclaration définitive d'impôt. Mais si vous perdez du job là, tout, vous revenez pour le dégager, si vous revenez négatif, si vous faites 12 mois qui sont passés là, pas de travail. Donc, même si je fais déclaration, mais je dis que je suis en situation côté que je vais porter comme la DGI dans ce sens. Donc, voilà la situation. Pour qui ça que la croissance économique est importante? Parce que la croissance économique va influencer la situation fiscale. Parce que où est la DGI, vous voyez, nous là, c'est impôt sur le revenu. Nous devons l'autre note, peut-être que je vais regarder là, les 3 autres qui ont gagné, pour l'entreprise, pour avoir un impôt sur les sociétés également. Et je me suis rappelé ça, le budget que vous conduisez là, si je ne fais pas un défaut, impôt sur revenu avec impôt sur société, yo, et ça n'est pas capable de l'impôt direct là, c'est à peu près 36 milliards de gouttes. Donc supposez que l'année ça ne peut pas dégager 36 milliards de gouttes là du côté de la DGI. Donc on y a le parle d'impôt indirect là. Impôt indirect là, il y a un problème par tout parce qu'on fait des temps là. Côté que nous avons d'activité. L'économie en fait, mais pas d'activité qui a fait, pas de vente qui a réalisé. Il y a un impact négatif également sur l'économie et sur l'entrée des GIO, parce que c'est là des GIO qui a tiré comme tout. Puis il y a un masque comme là. Et pour indirect là, il y a plus que 72 milliards de gouttes. Bon, on ne peut pas parler d'autres sources domestiques là, nous connaissons tout problème qui vient avec l'entreprise publique, pas générer trop comme en quelque sorte. Donc de ma mère, ça a supposé pas des GIO comme là. Donc lorsque il y a une contraction de l'économie, il y a moins de monde qui travaille, donc il y a moins de capacité pour payer impôts sur revenus. Il y a moins d'activité économique, qui veut dire entreprise a fermé, entreprise a crasé, bon garanti. 4 dernières années, ce n'est pas 2 entreprises qui font faillite. Donc, quand tu es sur le track, ça va dire que les gens qui sont dans le secteur touristique, les gens qui te mettent par exemple là, en 2018, ils ont 4 chambres ou 5 chambres d'hôtel parce que l'activité économique a marché bien. Bon, les amis au Cap, qui t'a relancé récemment, qui t'a gagné activité, moun kap veni au Cap, et qu'on n'a pas gagné activité, qu'on a quitté fait dette, nous rappelons que semaine, nous toujours dans mois et par l'investissement. Donc si moun sa qu'on n'a pas gagné revenu kap entré, donc elle doit, nous rappelons encore, à faire banque là, nous aimons prêter comme la banque, banque là lui, même la pondo comme l'IA quand même. Donc lorsque qu'on n'a pas qu'à repayer banque là, donc non seulement faillite avait dit, ou pas gagné revenu, ensuite qu'on a coût là, donc, il dit que ou l'en négatif, on fait même business là. Mais on n'est pas obligé de payer banque là. Donc, nous, quand imaginez un monde qui prend risque en d'un pays, ça n'a pas gagné pour le l'État, pas gagné pour le avec crise sociale, ça qu'il a. Des petites et moyennes entreprises, on ne connaît pas la veille là, ça peut-être, bah, on pile tête fait mal, mais c'est une réalité que lié. Donc, c'est ça que pour nous apprendre, l'économie, on apprend malheureusement, de manière extrêmement cynique, extrêmement due, pour la seule bonne raison, lorsqu'on n'a pas une stabilité politique, on n'a pas une activité économique. Regardez qu'on n'a pas entré dans le mois de décembre là. Qui dernière fois on fête, ça n'a pas brûlé décembre dans le pays ça. Il y a un bon business qui dépend de période ça. C'est des business, c'est par période, il y a des grandes vacances, l'autre là c'est Noël. Donc, on peut imaginer ça, ça veut dire pour l'entreprise ça. Yo. Donc, lorsque les acteurs politiques, que l'on pouvoir, que l'on l'opposition, ils ont même pas gardé impact négatif ça, et dans qui problème ils ont gagné, côté que Mounio retrouve une situation extrêmement grave en quelque sorte. Donc, nous l'avons fait, et deuxième mois, premier trimestre là, et déjà, ils vont une note là, qui montrait que, hey, grand problème là, mais problème dans tout, c'est parce que en pile, mon adhéreur, en pile entreprise, on pense qu'il y a deux zones dans le pays. On conseille deux zones dans le pays.
on pense de quartier en de pays. Son secteur, faut jeter un coup d'œil sur les tout, le secteur immobilier en Haïti. Des gens qui t'a vivent dans une série de zones, particulièrement en zone les Perniers, qui t'a fait des investissements dans la plaine. Je connais que m'a touché et la plaie du doigt et une série de monde ça fait au mal. Mais faut que les acteurs politiques finalement disent mes amis bam on yon brique. Des gens qui pas de balle régler rien pour yo. Yo craser business mon yo parce que environnement politique là, environnement des affaires là détérioré. Et qu'on y a même bout de cas là que mon a été construit à la zone côté lier. Donc si nous prenons zone métropolitaine de Port-au-Prince là, combien quartiers je vous dis là, gain de monde qui obligé quitter cas là. Et si mon ça a perdu job lui, qu'on y a, il t'a payé bien pour la banque là. Nous dans des banques centrales la dernière montée pour mesure, bah mon y a un titan. Mais hey, tant ça va vous dire quoi effacer d'être là, vous d'être là toujours là. Donc mais qui ça? Que nous fait mal à un certain de monde dans le pays, que l'entreprise li, que l'envie li, donc qui vient bailler des difficultés extrêmement importantes. Eh bien, il faut nous poser problème, il faut discuter. Moi, quand on est dans le plaisir, on a du football, nous, on a fait Brésil, l'autre jour, mon équipe jeune garçon, jeune fille, dans la rue Port-au-Prince, à 10h du matin, avec Diaz, Carnaval, prend la rue. Mais là encore, jeune, ça, il faut nous rappeler yo, que pendant là, il y a couru des Brésil, des Argentine, de la France, ou bien l'Allemagne, peu importe qui a choisi. Ti Dominique en l'école, ti Jamaïque en l'école, ti Cuba en l'école. Donc, nombre de jours de classe qui a perdu, pas qu'on a qualité, non, mais la quantité. Or, quantité n'a pas suffisant, qu'on a fait la qualité. Tout. Parce que objectif développement durable numéro 4, là, mandé en qualité de l'éducation. Chauffer dans le Brésil, chauffer dans l'Argentine, non. Quel est le Neymar, quel est le Mbappé, ou encore Messi, pas inquiéto, il n'y a pas gagné la Coupe du Monde, fin mois, il n'y a pas pris des matchs, il n'y a pas de mascotte qui a touché, il a plus bien passé, nous, en quelque sorte. Et malheureusement, dans le pays, ça, nous connaissons tous les politiciens qui ont utilisé la période de football, la période d'activité, parce que le pays n'a pas paraître calme, il n'y a pas un break, en quelque sorte. Mais ça, c'est un bail de très court terme que lié. Mais là, un break, il n'y a pas de tout. Je vais toucher du doigt. Fanatique Brésil, pas vrai? Belgique, Brésil. Si nous avons des facteurs qui ont provoqué 6-7 juillet, mon Brésil, nous rappelons ça. Bon, c'est aussi moi, il faut faire la marche, pas vrai? Par là, 6-7 juillet, nous avons encore plus de problèmes. Nous avons l'autre bloc qui est en train de se faire. Donc, il y a des autorités qui ont besoin de le Brésil, qui était plus loin. Bon, si tu as fait prolongation dans la Coupe du Monde, tu n'as pas fini le 6 janvier. Et c'est pas sérieux lorsque n'a joué sur bagay émotionnel za yo alors que des bagay extrêmement important n'a parlé de vie moun n'a parlé de jeunes garçons jeunes filles jodi a là qui par exemple pas qu'à l'école pour aller faire filo pour aller entrer dans la vie des jeunes garçons pas qu'à finir université qui a perdu une année deux années l'école me rappelle l'année 86 année 90 me rappelle qui ça t'est quand passé te ka passé dans inage bon c'est des nèg la cap tandem là sur mon kounya la fermé porte université sous tim moun yo kounya yo parti avec les affaires pa yo après kounya pa bin parlo de développement de toute bagaille. C'est cynique mes amis lorsque nous prend politique nous entre dans l'éducation et nous même jeunes garçons jeunes filles lorsque nous prend la ri à 10h du matin au lieu de l'école c'est là faire Brésil là régler me penser que c'est pas meilleur choix que nous capable faire. Ça lui va dire Brésil va avec Boston, ouais, pour faire l'école. Donc c'est tout problème, ça, toute discussion, ça pour nous soulever. Lorsque gain émotion, gain plaisir, mais connaît que ça c'est de très court terme. Le moyen, le long terme, jeune garçon avec jeune fille, il parle moins compétitif. Donc lorsque en 2030, on parle ouais, croissance économique a fait dans Jamaïque, a fait du côté de la République dominicaine, on va penser ah pays ça aussi. Non, c'est soit construit aujourd'hui pour demain en quelque sorte. En attendant, comme on te promet les jeunes, jusqu'à ce que l'école ouvre, on a essayé de créer une petite structure pour eux, en deux émissions, hein, pour nous réfléchir sur l'intelligence financière. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Finances, gagnent un projet pour être capable d'entrer l'éducation financière dans l'école, en attendant que ça arrive. Il y a un homme qui nous parle en pile dans l'émission ça, et qui est capable d'inspirer dans l'émission ça. C'est M. Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre. Et nous remercions encore publiquement Charles Clément de nous décortiquer libre ça et qui change la vie dans le pays d'Haïti, la façon pour épargner, la façon pour investir, la façon pour gérer l'argent. Eh bien, nous pourrons
je vous dis à la possibilité parce que le livre c'est en anglais et dans le temps c'est difficile pour partager avec moi, quand on fait interprétation. Nous pas le temps de connaître là même du côté de la France, yo prend livre ça yo, yo traduit yo, yo mettez son sous yo pour que expliquer exactement ce petit livre que m'a recommandé chaque parent a fait petit cadeau, père riche père pauvre, cette éducation, ce changement de mentalité, comment pour nous mettre en place. On donne ça. Salut, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, ce sera la deuxième partie du résumé de « Augmenter votre intelligence financière » de Robert Kiyosaki. Chapitre 5, le QI financier 3 pour gérer votre argent. Dans ce chapitre, il revient sur la notion de bilan financier personnel, déjà abondamment évoqué dans son premier livre « Père riche, père pauvre ». Il explique comment, parti de rien, on peut atteindre une situation de surplus budgétaire, donc richesse, en privilégiant les dépenses permettant de faire l'acquisition d'actifs, actifs qui généreront ensuite des revenus supplémentaires. Leçon numéro 1. Un excédent budgétaire se construit par des dépenses. Le premier conseil qu'il donne concernant la gestion de son argent est de toujours et quoi qu'il arrive, se payer en premier, en faisant une priorité l'acquisition d'actifs, épargne, investissement, mais aussi formation, club de sport et dons aux bonnes œuvres. Il est contre le fait de vivre en dessous de ses moyens et préconise au contraire, même en cas de difficulté, de continuer à maintenir son niveau de vie et ses dépenses en actifs et d'utiliser son QI 1 pour gagner davantage d'argent. Leçon numéro 2. La colonne des dépenses est une boule de cristal. On peut facilement prédire l'avenir financier d'un individu en étudiant la nature de ses dépenses. Une personne qui dépense majoritairement son argent dans les actifs, épargne, investissement, formation, coaching, salle de sport, deviendra nécessairement plus riche que celle qui dépense majoritairement son argent dans des biens de consommation ou des passifs, voiture. 3. Leçon numéro 3. Les actifs paient les passifs. L'auteur n'est pas contre l'acquisition de passifs pour se faire plaisir. Cependant, il recommande de ne le faire qu'avec de l'argent généré au préalable par un actif. Par exemple, je souhaite m'acheter cette belle voiture, passif, qui me coûtera X euros à l'achat plus X euros chaque mois en entretien. J'ai donc besoin de X euros. Je vais donc acquérir un bien locatif actif. Je ne me paierai cette voiture que quand ce nouvel actif me procurera la somme suffisante pour couvrir ses frais. Vu sous cet angle, l'achat de passif nous enrichit car il nous pousse à développer nos QI 1, 3 et 4 et à accroître notre patrimoine d'actifs. Leçon numéro 4. Dépenser pour vous enrichir. Une entreprise en difficulté financière a tendance à réduire ses dépenses alors qu'elle devrait au contraire augmenter ses dépenses en marketing et publicité afin de relancer ses ventes. Un individu en difficulté financière fait de même, alors que pour s'en sortir, il devrait au contraire augmenter ses dépenses en actifs en contractant de bonnes dettes. Faire un crédit pour acheter un actif est une bonne dette, contrairement au fait de faire un crédit pour financer un passif, ce qui est une très mauvaise dette. Chapitre 6. Le QI financier 4 pour faire fructifier votre argent. Dans ce chapitre, il évoque deux notions clés au sujet des investissements. Le contrôle, le levier financier. Robert Kiyosaki repart de son constat initial. Nous sommes entrés dans l'ère du nouveau capitalisme où faire l'acquisition d'actifs en empruntant est financièrement plus intelligent qu'épargner. Le problème, explique-t-il, c'est que les gens n'ayant pas reçu d'éducation financière, ils sont incapables d'investir adéquatement par eux-mêmes et se fient aveuglément aux conseils désuets de l'État et des faux experts en plaçant leur argent sur des fonds de placement diversifiés. Non seulement leurs rendements sont dérisoires et leur argent se déprécie à cause de l'inflation, mais pire, en cas de crash, ils deviennent alors les témoins impuissants de leur absence totale de sécurité financière. C'est pourquoi, là encore, pour sécuriser et faire fructifier son argent, il est indispensable, selon l'auteur, d'améliorer son intelligence financière, et notamment son QI 4, afin de savoir comment exercer un contrôle sur ses investissements et comment utiliser au mieux la puissance du levier financier. Pour expliciter cela, il s'en réfère à nouveau à sa propre expérience, en tant cette fois qu'investisseur immobilier. L'investissement locatif est le meilleur investissement qui soit. Il explique que dans le cadre d'un investissement immobilier locatif, le rendement n'est pas lié, comme en bourse ou comme dans une opération achat-revente, à une spéculation sur la valeur que prendra le bien dans le futur. Il est lié à votre capacité à augmenter vos revenus, les loyers, et à réduire vos charges, mensualité des crédits, travaux, taxes, frais divers.
C'est par vos connaissances et vos actions que vous augmentez votre rendement et que vous diminuez vos risques en minimisant l'impact des fluctuations du marché sur vos investissements. Vous avez donc le contrôle sur votre investissement. L'auteur explique que le contrôle doit s'exercer sur les quatre colonnes de l'état financier de l'investissement. Revenus, dépenses, actifs, passifs. Les revenus. L'investisseur doit trouver un moyen d'obtenir les loyers les plus hauts possibles. Pour cela, il peut par exemple augmenter des loyers qui étaient en dessous du prix du marché, rendre sa propriété attrayante en proposant des services supplémentaires et en apportant des améliorations. Il doit aussi s'assurer d'éviter toute carence locative en sélectionnant avec soin ses locataires et en prenant une assurance loyer impayée. Les dépenses. L'investisseur doit chercher à réduire toutes les dépenses. Il devra acheter sous le prix du marché. Négocier les travaux et autres frais, avoir recours à un comptable pour réduire les taxes. Une propriété mal gérée peut être transformée en très bon investissement en améliorant sa gestion. Le passif. L'investisseur doit toujours s'assurer d'avoir le meilleur financement possible et le renégocier régulièrement, taux, mensualités, etc. L'actif. Robert Kiyosaki n'espère pas une hausse du marché pour lui garantir une hausse de la valeur de ses actifs. Ce sont ses compétences et sa capacité à augmenter les loyers, faire baisser les charges et réduire ses mensualités de crédit qui font prendre de la valeur à ses biens. On voit ainsi que le contrôle s'exerce bien à tous les niveaux de l'état financier et que c'est ce contrôle et ce contrôle seulement qui permet d'augmenter le rendement et de diminuer les risques. Un rendement élevé n'est donc pas du tout obligatoirement synonyme de risque élevé. Si vous avez le contrôle et si vous savez l'exercer, vous pouvez cumuler haut rendement et risque faible. C'est pour cette raison, l'importance du contrôle, que Robert Kiyosaki a pour habitude, quand on lui demande si une affaire est un bon investissement, de répondre « je ne sais pas ». Êtes-vous un bon investisseur ? C'est toujours pour cette même raison que Warren Buffett, considéré comme le meilleur investisseur du monde, est également comme l'un des hommes les plus riches du monde, dit ceci « la diversification est une protection contre l'ignorance. L'individu qui sait ce qu'il fait n'a pas besoin de diversifier ses investissements ». L'autre très gros avantage de ce type d'investissement est qu'il offre la possibilité d'utiliser la puissance du levier financier, le crédit, pour s'enrichir plus rapidement et avec l'argent des autres. C'est ce qu'il appelle « faire plus avec moins ». C'est en effet la banque qui va financer l'achat du bien et les locataires qui vont se charger de rembourser la banque, les deux travaillant ainsi de concert à l'accroissement rapide de votre richesse personnelle. L'auteur insiste à nouveau sur la très grande importance de développer son QI4 avant d'avoir recours au levier financier. En effet, le levier financier ne doit être utilisé que si vous êtes en mesure d'exercer un réel contrôle sur vos investissements, sinon il peut se retourner contre vous avec une rare violence. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki distingue trois types d'investisseurs. Ceux qui investissent pour un gain en capital. Le gain en capital, c'est acheter à un certain prix en espérant revendre plus cher. La bourse ou l'achat-revente en immobilier sont des exemples d'investissements basés sur la spéculation d'un gain en capital, et le hasard y joue un rôle important. Robert Kiyosaki n'est pas favorable à ce type d'investissement pour plusieurs raisons. Le risque est élevé car le contrôle est faible. Le taux d'imposition est élevé. Il ne s'agit pas pour l'auteur de réels investissements, mais de négoces où l'on échange encore son temps contre de l'argent. Quadrant T. Ceux qui investissent pour un flux de trésorerie. Un flux de trésorerie, c'est investir pour s'assurer un revenu, le rendement. L'épargne est un exemple d'investissement basé sur un flux de trésorerie. Le problème avec ce type d'investissement et que le rendement est trop faible au regard de l'inflation pour être réellement intéressant. Par ailleurs, le risque est loin d'être nul, car en cas de crash, l'argent peut ne valoir plus rien. Ceux qui investissent à la fois pour réaliser un gain de capital et un flux de trésorerie. C'est l'exemple de l'investissement immobilier locatif. C'est le meilleur type d'investissement pour plusieurs raisons. On ne subit pas les fluctuations du marché, puisque la valeur de l'actif ne se calcule pas en fonction du marché, mais en fonction du rendement, ce qui réduit grandement les risques. On peut exercer un contrôle. On peut recourir à la puissance du levier financier. Robert Kiyosaki donne également à travers ce chapitre quelques conseils pour devenir un bon investisseur. Trouver les bons partenaires, bien s'entourer. Obtenir le bon financement en jouant sur le taux, le report d'échéance, la durée du prêt. Avoir une bonne gestion, égal contrôle. Commencer à petite échelle et progresser lentement. Viser haut. Chapitre 7, le QI financier 5 pour améliorer votre information financière. Dans ce chapitre, l'auteur retrace une autre période de sa vie pendant la guerre du Vietnam cette fois. Il travaillait alors pour l'armée et était entre autres chargé de recueillir et de traiter des renseignements ultra secrets.
Cette expérience lui a permis de prendre conscience de l'importance de l'information et surtout de l'importance de savoir la traiter correctement. L'information, quand on sait l'analyser correctement et lui donner un sens, est le plus grand actif qui soit. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère de l'information. L'information est synonyme de richesse. Le principal avantage de la période actuelle concernant l'information est qu'elle est riche, accessible, gratuite et abondante. Le principal inconvénient est qu'elle est riche, accessible, gratuite et abondante. Autrement dit, trop d'infos tue l'info. Et pour savoir utiliser correctement cette information abondante, il faut développer son QI 5. Pour gérer la surabondance d'informations, il faut d'abord apprendre à classifier l'information. L'information est-elle pertinente, c'est-à-dire valable à l'instant T ou déjà désuète? L'information est-elle crédible? Quelle est la source de cette information? Des vendeurs ou des experts? L'information est-elle privilégiée? Il faut développer son QI 5 de façon à avoir accès à cette information privilégiée. L'information est-elle à relier à d'autres? C'est ce qui permet de définir des tendances notamment. L'information n'est-elle pas fausse? Il faut être vigilant aux stratagèmes de manipulation. L'information est-elle un fait ou une opinion? Un fait est une donnée physiquement vérifiable. Une opinion est une idée qui peut être ou non étayée par un fait. À ce sujet, l'auteur préconise de toujours prendre ses décisions en privilégiant les faits versus les opinions. Suivre le conseil d'un expert en gestion de patrimoine et investir son argent dans un portefeuille de fonds communs de placement diversifié est un exemple de mauvaise décision financière prise en se fondant uniquement sur une opinion. Acheter une maison parce qu'un agent immobilier nous a dit que le quartier prendrait de la valeur en est une autre. La majorité des investisseurs investissent pour un gain en capital. Leur décision s'appuie donc nécessairement uniquement sur des opinions concernant le futur, spéculation. A l'inverse, les investisseurs qui investissent pour s'assurer un flux de trésorerie se fondent principalement sur des faits. Calcul de rendement, niveau de la demande locative, données démographiques, état du bien, climat du quartier. Tout en prenant tout de même aussi en compte les opinions, mais de façon avisée et non exclusive. L'auteur évoquera également dans ce chapitre la notion de tendance, qui sont des opinions basées sur des faits. Savoir analyser l'information permet de définir des cycles et des tendances et ainsi d'anticiper la hausse ou la baisse d'un marché. Chapitre 8. L'intégrité financière. Ce qu'entend l'auteur par intégrité financière, c'est le caractère intègre, c'est-à-dire complet, de l'intelligence financière. C'est donc posséder les 5 QI financiers. Pour connaître l'intégrité financière d'une personne, il suffit de regarder son état financier personnel. Recettes, dépenses, actifs, passifs. Et c'est ce que font d'ailleurs les banques quand elles analysent nos demandes de prêts. Elles vérifient notre niveau global d'intelligence financière afin d'évaluer leurs risques en nous finançant. Malheureusement, la plupart des gens ignorent l'importance et même la définition d'un état financier personnel. Inconscients du problème, ils ne peuvent que subir. Robert Kiyosaki explique qu'il est capable de rechercher à atteindre l'intégrité financière car posséder un bon QI 1 et 2, par exemple, n'est suffisant ni pour devenir riche, ni pour vous mettre à l'abri financièrement. Seule l'intégrité financière vous permettra d'atteindre ces deux objectifs. Il insiste donc sur l'importance pour chacun de se former pour développer le QI qui lui fait le plus défaut à l'heure actuelle. Dans ce chapitre, il revient également sur son absence totale de confiance envers l'État pour assurer la sécurité et la prospérité des citoyens américains. L'intégrité financière est selon lui tout autant essentielle à l'échelle gouvernementale. Malheureusement, comme il l'a déjà dit, l'État ne fait absolument pas preuve d'intégrité financière puisqu'au lieu de trouver des solutions aux problèmes, il augmente l'inflation, les impôts et la dette. Robert Kiyosaki craint un effondrement total des systèmes de retraite et de santé et pense donc que notre salut passera obligatoirement par notre capacité à prendre en charge nous-mêmes, via notre éducation financière, notre intégrité financière. Chapitre 9. Développer votre génie financier. Dans ce chapitre, l'auteur explique comment concrètement faire pour développer son intelligence financière. Leçon numéro 1. Développez votre intelligence intrapersonnelle et apprenez à maîtriser votre subconscient. L'auteur s'appuie ici sur la notion d'intelligence multiple, concept de Howard Gardner. Selon Gardner, il existe 7 formes d'intelligence. 1. Linguistique, habileté avec le langage et les langues. 2. Logico-mathématique, capacité à comprendre des concepts logiques et abstraits. 3. Musical, aisance pour comprendre et reproduire le langage musical. 4. Corporel kinesthésique, dextérité dans l'utilisation de son corps et de ses mouvements. 5. Visuo-spatial, facilité pour se repérer et se déplacer dans l'espace.
6 interpersonnel, capacité à interagir avec les autres. 7 intrapersonnel, habilité à contrôler ses émotions et à gérer le risque. Seules les deux premières sont reconnues par le système éducatif traditionnel. Or, Kiyosaki remarque que la plus importante pour développer son génie financier est la 7e, l'intelligence intrapersonnelle, et qu'il convient donc de la développer pour réussir dans le domaine financier. Or, cette forme d'intelligence est reliée à une partie très puissante de notre cerveau, le subconscient. Et si votre subconscient est gouverné par la peur, comme c'est souvent le cas, vous n'agirez jamais car vous préférez éviter tout risque. Il est donc capital, selon l'auteur, de travailler sur ses pensées limitantes, inconscientes, afin de développer son intelligence intrapersonnelle et d'être en mesure d'agir sans être paralysé par son subconscient. Leçon numéro 2. Pour changer votre vie, changez votre environnement et votre perception de vous-même. L'auteur évoque ensuite la gestion des neurones miroirs, ou de l'influence de notre environnement sur nous-mêmes et de nous-mêmes sur notre environnement. Notre cerveau est programmé d'une part pour reproduire ce que nous voyons chez les autres, et d'autre part pour se conformer à l'image qu'ont les autres de nous-mêmes. Partant de ce constat, l'auteur nous incite à nous entourer de personnes auxquelles nous souhaitons ressembler pour changer votre vie, changer votre environnement, modifier notre perception de nous-mêmes. Si je pense que je suis un perdant, les autres penseront que je suis un perdant. Développer notre esprit critique. Leçon numéro 3. La meilleure façon d'apprendre est la mise en pratique. Dans un autre paragraphe, Robert Kiyosaki évoque la notion d'apprentissage en faisant référence à la pyramide de l'apprentissage. Il explique que la meilleure façon d'apprendre est la mise en pratique, et juste après, la simulation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a développé le jeu Cash Flow, afin d'apprendre aux gens par la simulation et le jeu à développer leur intelligence financière. Chapitre 10. Développer votre QI financier. Quelques applications pratiques. Ce chapitre fait essentiellement la promotion de ses offres commerciales. Séminaires, formations, séances de coaching, jeux, clubs. Il faut surtout en retenir que c'est en se formant que nous pourrons avancer sur le chemin de l'intégrité financière. Il insiste également à la fin du livre sur l'impact du courage et du passage à l'action dans notre vie. L'entrepreneur, l'investisseur, la personne riche est celui qui ose, celui qui agit. Il évoque enfin l'importance de savoir accepter et accueillir les feedbacks afin de s'adapter au marché et à l'environnement et de progresser. Pour conclure sur augmenter votre intelligence financière. Ce livre m'a ouvert les yeux sur l'importance de posséder des connaissances financières de base pour évoluer dans notre monde capitaliste, mais aussi sur les lacunes de notre système éducatif dans ce domaine, et sur celles de l'État et sur les dangers qui nous guettent. Mais il m'a surtout permis de mieux comprendre comment fonctionne l'argent et à développer en moi un intérêt réel pour ce sujet ainsi que pour l'investissement, sujet que je considérais pourtant avant comme ennuyeux. La lecture de ce livre m'a permis de réaliser que gérer son argent et investir pouvait être un jeu passionnant, une source d'apprentissage infini et un moyen de développer son intelligence à tous les niveaux. Quels sont les points forts du livre ? Le message principal du livre, qui est très fort et qui répond clairement à une lacune, les explications claires sur le nouveau fonctionnement de l'argent, la vision non conventionnelle d'envisager la gestion de l'argent, la capacité à vulgariser et à rendre attractif un sujet à la base complexe et ennuyeux. Les points faibles, maintenant. Ne délivre peut-être pas de réelles méthodes claires pour développer son intelligence financière. L'écriture est un petit peu décousue. Ça manque un petit peu de structure. Il est assez répétitif. Certains passages de sa propre expérience sont un petit peu longs. Et les références concernent surtout le système américain. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain résumé. Nous sommes là avec un pile attention, il n'y a pas seulement pour tout le monde de l'école, you know? Professeur, tout pas vrai, et directeur de l'école, you know? Responsable d'éducation. You know? Son livre n'avait utilisé, d'accord, depuis 2000, you know? Parce que l'émission ça investi par rendez-vous économique, il y a plus que à peu près 20 ans déjà. You know? Et je me dis, non, il toujours utilisé père riche, père pauvre comme modèle pour dire tout le monde, attention, à l'école, oui, c'est bien. Et c'est pas moi qui dis le nom, mais les psychologues qui ont coûté nous là beaucoup de Puerto Rico, eh bien,
les différentes formes d'intelligence. Nos 7, alors c'est 2 seulement utilisés. Le livre n'a pas écrit pour Haïti, hein, pour nous souligner ça. Ton livre qui est écrit, et gens que mon qui t'a interprété là, et pour les États-Unis en particulier. Donc nous, un pays qui, ça c'est pire riche, monde, qui faiblesse, qui gagne l'éducation. Donc il montre qui ça peut faire, qui méthodologie, comment pour aller. Donc nous-mêmes, tout, nous avons pile pour nous apprendre. Et ça nous te promet. Les jeunes qui, je dis, n'ont pas l'école, pour le samedi, venir là, prendre quelques formations et comment prépositionner pendant la semaine. Il faut travailler pendant la semaine parce que le volume d'informations que nous mettons là, il est supposé le fouiller. Ça. Pas simplement entrer l'argent dans la poche, mais c'est comment pour quimber l'argent et comment pour faire différencier, pour connaître qui est revenu, qui est dépense, qui est actif, qui est passif. Et livre là. Le problème que tu as posé tout à l'heure, une série de quartiers, que ce soit la plaine, que ce soit Pernier, que Tabar, toute zone ça qui prend un gros choc, on prend Matissan, toute zone qui s'en sert eux-mêmes, il y a des gens qui étaient investis vieux là-dedans, et qui étaient pris l'argent, qui étaient prêtés comme le travail, ils ont payé la banque, ils sont actifs. Donc, on voit que l'environnement n'est pas bon tout, qui est un pack négatif, qui a gagné sur actif là. Donc, nous voyons qu'il y a des gens qui ont trouvé une situation extrêmement difficile. Donc, faire l'argent, c'est une, mais gérer l'argent, c'est notre bagage que lié. Et si tout le monde a dit Warren Buffett, donc, l'infinité de nos saillots, aller sur YouTube, aller sur Facebook, aller dans Google, à le faire recherche nous, parce que l'éducation, c'est comme ça que lié. Et passif qui s'arrête automobile là comment vous présentez le des jeunes garçons jeunes filles qui nous travaillent après automatiquement ils font du travail là ils commencent à foncer de dépenses et dépenses ça c'est des biens de consommation actif là pas grandi en quelque sorte donc faut gagner entrer et sortir ou revenir à dépenses mais faut faire actif et passif ou tout koto pral investir l'argent le mot investissement en quelque sorte qu'une bonne dette qu'une mauvaise dette. Ça n'a pas dit ça longtemps ici, à mauvaise dette là, son machine qu'on a acheté, après, on va faire l'autre bagarre avec elle, c'est à l'anti-activité pas, et il y a des gens qui ont des machines chaque mois que l'utiliser, donc son passif ça représente. Quand elle a des bas, ça ne fait pile déjà ici, on va habiter long caille parce qu'on ne peut pas payer quand là, mais gardez qu'on ne soit pas payé, mais qui dépense qu'on fait dans quand là, quand là, il y a des dépenses par là dans tout. Donc ça entre dans un type de passif parce que parle d'investissement locatif en quelque sorte. Donc il y a des gens. Aujourd'hui, à là, qui te met ton bloc appartement dans une zone, après qu'on y a zone gâtée. Donc, pour imaginer, actif ça, si colon environnement, côté que politicien, quel se pouvoir, ou bien dans l'opposition, pas garantir ça, la sécurité, eh bien, qui impact négatif, ça cap gain. Conseil intellectuel, là, faut renforcer, mes amis, l'intégrité financière et le. L'idée que sous track ça, gouvernement particulièrement. Donc, le gouvernement a fait des points, c'est mauvais des points que lié. Et qu'on y a pral financer à partir de dette. Et bien qu'on y a pral bon inflation, qui pral bon dépréciation monnaie. Donc, mais pour qui ça nous même tout, faut impliquer. C'est pas un dit que c'est pas un gouvernement qui ne peut pas. Et bien nous, qui ça, les gouvernements, pendant les 30 dernières années, la gagne aujourd'hui à la en d'un pays. Son manque d'implication, c'est des mauvais choix. Et nous, quand checker, bah, dit certain, non? Presque tout le gouvernement passé de 86 à nos jours sous track ça. Et budget, mais qui est important ce que le gain tout. Parce que mauvaise dépense qu'a fait, yo, qui a abordé dette extrêmement important, je vous dis, à un budget qui reconduit là, à le gars des services de la dette là. Plus que 30 milliards de gouttes. Dette là, vous dépensez plus comme le service de la dette que le ministère de l'Éducation nationale, que le ministère de la Santé. Vous comprenez ce que ça veut dire. Nous parlons pas d'infrastructure. Le service de la dette a dépassé tout financement trésor public là. Donc, mais ça que nous sommes capables de dire ça, ce dit là, donc nous sommes roulés pour jeunes, même quoi grand dette que tu as supposé pour un petit page là-dedans, il y a un pile cas regret de mauvaises décisions que tu as prises. On peut poser dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.